Bah, je vais essayer du coup d'utiliser ma magie mentale pour faire qu'ils s'enfoncent dans la terre. Enfin, creuser en gros sous eux pour que ça fasse un trou, ils ne peuvent pas ressortir facilement. D'accord, tu veux faire une fosse. T'as pas besoin de me faire un jeu de modélisation, il suffit que tu utilises ta carte de trait. Ah, je vais utiliser ça parce que deux critiques à la suite, ça va m'aller, hein, pas troisième, hein, on n'est pas là pour ça. T'inquiète, on s'habitue vite. Ouais, non, je suis pas parfait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron dans l'échec. Effectivement, Tyrus, tu vas consumer ta carte de trèfle, donc la manipulation des éléments. Et le paysan à côté de toi, ainsi que les guerriers qui sont en train de s'en prendre à vous, sont extrêmement surpris de voir que le sol se met à trembler, à bouger. Et les guerriers vont se retrouver dans une fosse où ils vont commencer à crier de rage. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont à la fois effrayés et ils pensaient avoir une proie facile. Donc ils sont d'abord en colère. Et ils se retrouvent donc au fond de cette fosse. Et tu les entends crier. Donc ils sont cinq. Et ce sont des grands guerriers à la peau très blanche. Toi qui es érudit, tu reconnais clairement des guerriers du Pays Blanc, au nom de l'île au nord du Pays Mon, et qui te disent « Maudit sois-tu, sorcier, fais-nous sortir de là, tu vas voir comment on va s'occuper de ton cas !» Tu les entends crier comme ça. Alors, moi, je leur dis vraiment, je les regarde, je fais non. Et après, je me retourne vers l'habitant du Paymon pour voir s'il va bien. Et s'il y a besoin de soins, j'utilise ma compétence soignée. Pas ma carte, hein, ma compétence. Il te dit, mais loué soit la sacrée, loi sacrée, vous êtes un. C'est incroyable, vous êtes un envoyé de la déesse Mon. Merci, merci beaucoup. Non, c'est très gentil, je vais bien, mais j'ai cru ma dernière heure arriver. Et tu vois, à côté de lui, près de sa main, un petit coffret qui a été ouvert, fracassé. Et à l'intérieur, tu vois un couteau. Et tu vois que le paysan remet vite le couteau dans le coffret. Et très rapidement, il se lève, il s'épouste. Alors toi aussi, hein, tu es recroté, hein, Tyrus, tu es couvert de boue et de navets. Il te tend la main et te dit bah, écoutez, merci beaucoup, je suis votre débiteur à jamais, je m'appelle Bengan. Moi, je me nomme Tyrius. Bah écoutez, enchanté, Tyrius. Vraiment, vous êtes un puissant sorcier, un puissant magicien. Bah écoutez, si vous voulez, on peut faire le trajet. Enfin, moi, je vais à Ira, je sais pas vous, mais si vous voulez me suivre, franchement, ça sera avec plaisir. Et à la limite, je me sentirai plus rassuré d'être avec vous. Alors, ce serait pas un problème, mais j'ai mes amis qui. Enfin, des compagnons et un ami qui ne devraient pas tarder. Donc, si vous pouvez patienter comme ça, si jamais on va tous au même endroit, on pourra faire cause commune. Oui, oui, non, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Au contraire, si vos amis sont aussi puissants que vous, au moins je suis sûre d'arriver à Ira. J'irai pas jusque-là, mais bon, ils ont un petit niveau. Écoutez, en tout cas, oui, non, mais j'ai confiance en vous. Et pendant ce temps-là, vous entendez toujours des cris de guerriers qui disent « Mais sortez-nous de là! Sortez-nous de là! Les nabos, vous allez voir ce qu'on va vous faire !» Alors moi, je me approche d'eux et leur dire « Ce n'est pas en criant qu'on se fait respecter. Il faut poser les mots. »
très doucement, savoir imposer le dialogue, et peut-être que là, on pourra voir une solution qui permettra à nos deux camps de s'entendre. Et pendant ce dialogue édifiant, Adrian, que fais-tu ? Ah ben moi je suis arrivé près de la... près de mes compagnons, j'ai perdu le mot. Et donc je vois se disputer un petit peu, je dis mais vous faites quoi ? Je pensais qu'on était pressés, en plus on a entendu des cris là, Tyrus est parti tout seul devant. On y va quoi ? C'est Tyrus, Tyrus il sait s'occuper de ces trucs. Et c'est un mage quand même, hein. Tu dis que les mages ils sont un peu... Les mages, c'est un bon mage, je pense qu'ils sont réglés. Là on a un souci plus important. Non mais ok, mais c'est un mage, mais ils étaient au moins aussi nombreux que nous, d'après ce qu'il m'a dit. C'est un mage. Il y a un truc plus important, c'est quelle récidive mon un temple. Récidive. Quoi ? Elle est en train de piller une chapelle. Je suis en train de rien piller, je suis à côté de vous. Non mais franchement, on n'a pas le temps. Et puis on était déjà pressé. Bon, on y va, Damaso là. Allez. On y va. Je reste ici. Et je renifle un peu. Et je lui dis, bon bah, c'est parti. Et hop, un coup de... Ah, on a perdu notre... Ah. Je mets un coup d'étrier sur les flancs du cheval et hop, je commence à trotter. Enfin, le cheval commence à trotter, hein, pas moi, je suis dessus. Donc, vous avez fait quoi ? Tu pars sur le chemin. Vous avez fait quoi ? Pourquoi il a l'air de vous en vouloir ? Bah, j'ai... Oh, justement, il faut que je vous dise ce que j'ai trouvé. Et du coup, j'essaye un peu d'étouffer le poisson. Je lui montre de ce que j'ai mis dans ma besace. J'ai trouvé... Est-ce que vous connaissez l'aquabrio ? Est-ce que je connais l'aquabrio ? Tu vas me faire, Adrian, un jet d'érudition. Un homme très érudit. Oui, bien sûr. Évidemment, Adrien, tu connais. Je lui dis, j'en ai quand même ramassé pas mal, hein. Et du coup, si vous voulez, je peux vous en revendre. En vendre ? Il y en a pas plein à la chapelle là-bas ? Il n'y en avait pas tant que ça, en fait. Ouais. Et en gros, vous savez. J'ai eu une très 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 mauvaise aventure. Et là, j'ai les larmes qui montent et tout. Vraiment très très triste. Et en gros, je savais pas que monsieur Saint-Abdel, il avait laissé une pièce pour la dame ou le monsieur ou quiconque s'occupe de l'église. Et moi, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, bah, j'ai ramassé la pièce. Et il s'est enflammé trois fois rien, quoi. Si lui, il a de quoi jeter ses pièces dans les chapelles, tant mieux. Moi, je suis plutôt le genre de personne qui ramasse toutes les pièces qu'elle voit. Et vous avez pas rendu la pièce ? Bah, il m'a pas dit de le faire. Bon. Moi, je reste dans la chapelle et je vais voir si ma petite étude à Akaba sur les choses inutiles, est-ce que savoir faire fondre de l'or, d'une pièce d'or, c'est un truc inutile ? C'est un truc complètement inutile. Super. Bah, j'essaye de prendre les chandelles qui sont en argent, de le faire fondre dans, si je trouve un petit récipient, un récipient, l'or. Vraiment improbable, parce qu'il faut faire fondre à quelques degrés beaucoup fort. Mais c'est pas grave, j'utilise... voilà. Et je veux recouvrir ce qu'elle a décrypé de machin, et j'essaye de redorer son blason. Avec une pièce d'or à toi ? Avec le plus de piles, avec tout ce qui doit être nécessaire, je le mets dedans pour réparer. D'accord, ok. Alors, tu vas me faire ton jet d'érudition de choses inutiles, d'abord. Bon, si je le rate, vraiment, j'ai le démon. Bah, t'as le démon, je crois. Je voulais pas utiliser mon spell parce que j'ai 80%, mais... C'est dommage. Malheureusement, Saint-Abdel, tu te dis, j'aimerais vraiment trouver une solution pour fondre de l'or et tu n'as absolument aucune idée de comment faire. Tu es bien désappointé. Pendant ce temps-là, Adrian et Azo, effectivement, vous avancez, non pas à bride battue, mais quand même un petit peu plus vite
Et vous allez arriver devant la scène où Tyréus est en train de faire un... Vous ne comprenez pas, un discours dans un... Il s'adresse à un trou dans la terre. Et vous voyez, il est à côté d'un petit homme, certainement un paysan du Paimon, qui est en train de récupérer ses navets et ses tubercules. Ah bah je vais voir, je dis... Bon alors, c'était quoi? C'était le monsieur qui criait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que alors, je vois... Il s'est passé plusieurs choses. Tout d'abord, quand j'ai entendu ce cri, j'ai voulu y aller doucement, et quand j'ai vu... 5 hommes attaquer ce pauvre petit habitant du Paimon, j'ai pas eu d'autre choix que de foncer directement dans ce combat incroyable. J'ai utilisé toute ma puissance que j'avais disponible pour enfermer, mais ne pas tuer, parce qu'on n'est pas des monstres non plus, ces 5 guerriers, et j'étais en train d'essayer de les éduquer pour qu'on puisse avoir un dialogue posé d'homme à homme, quoi, normalement. De personnes civilisées à personnes un peu moins civilisées. Et vous avez fait ça tout seul? Il a bien fallu, hein. C'était un cas d'urgence. J'ai pas pu me restreindre à rester caché. J'ai vraiment dû foncer par un courage qui n'est pas à mon habitude. Mais j'ai quand même pris tout ce que j'avais au fond de mes tripes et j'ai foncé. D'accord, impressionnant. Du coup, je me tourne vers Azo et un signe de tête, vous voyez ça... Oui. Et moi, je le regarde, vu qu'il est dans les navets, je fais « Vous n'avez rien ?» Moi, je capte pas la blague au début, et je l'aurais peut-être au cours de... Et par contre, je vois Azo et je fais « Ah, je voudrais quand même vous remercier d'avoir pris votre temps, vous qui étiez si précieux depuis tout à l'heure. » Avoir réussi à attendre tant que, malgré mon erreur que j'ai fait de tomber à vous, tant que je me débarrasse de ça, vous êtes quand même une personne vachement sympathique et honorable d'attendre les gens comme ça. Par contre, je vois toujours pas Saint Abdel qui aurait... Bah, j'aurais bien aimé le voir venir nous aider. Ça me déçoit un peu de lui, quoi. Et là, je te dis, ah, mais voyons, vous vous rendez compte? Vous n'auriez pas pu faire tout ce voyage dans l'état où vous étiez, et je pense que ça a accommodé tout le monde de ne pas sentir l'odeur de terre durant tout le voyage. Mais malheureusement, il va falloir vous renettoyer un petit peu. Oui, oui, mais le devoir m'a appelé. Dans l'action, il s'est peu que mon cheval est entré en collision, malheureusement, à cause de peut-être d'une noix qui aurait mordu Jarret. Bon. Il s'est passé des choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que à la fin, tout va bien. Ces 5 hommes qui sont les agresseurs ont été capturés, et cet homme qui était la victime est sain et sauf. Et du coup, je réitère ma super blague, hein, et limite, je suis déçu qu'il ait pas compris. Et du coup, vous n'avez rien. Non, tout va bien, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Et je suis profondément déçu. Il a pas d'humour, et c'est pas grave. Même moi, je l'ai pas. Et à ce moment... Quand un petit tu n'es pas là. Et à ce moment-là, Adrien et Azo, vous voyez donc le jeune paysan qui s'avance vers vous, qui vous tend avec beaucoup de franchise la main. Alors c'est vrai que sa main est peut-être effectivement protée de terre, de boue et de navets. Et qui vous dit « Ah, vous êtes des amis du grand magicien, merci beaucoup, je me nomme Bengan. » « Bonjour, monsieur Bengan. » Et il te tend, alors il est très petit, il est beaucoup plus bas que toi qui es en train de chevaucher de ta fière jument givre. Et tu vois qu'il te tend la main vraiment de façon très très franche, quoi. Ouais, bah je me baisse un peu, mais je lui montre que bah, j'arrive pas, malheureusement, à la saisir, mais le cœur y est. Il te fait un petit signe, tu vois que il te croit, il comprend, et ensuite il se tourne vers toi, Azo, toi aussi, qui est toujours juché sur ton... ta fière monstrueuse, et même chose, il te tend une main très très franche.
a perdu Azo. Ah, je croyais que c'était moi. Oui, oui, il est en train de tendre une grande... il veut te secouer la main. Eh ben, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Mais je le fais quand même. Et il te dit « Bonjour, noble dame. Donc, du coup, vous venez avec moi à Hira. Vous allez me servir de protectrice ?» Je suis pas protecteur. Alors, moi, j'ai expliqué à Azo, cet homme va à Hira. Et si jamais c'est son autre chemin, on pourrait l'emmener. Et comme ça, il risquerait moins de se faire attaquer. Et si jamais c'est pas notre chemin, ce serait dommage, mais on irait au plus court. Et là, vu que je connais absolument bien le chemin, est-ce que je sais si c'est sur la route ou pas? Oui, oui, de toute façon, il n'y a qu'une route. Hein. Du coup, on est obligé de s'encombrer de lui. Bon. Et je lui dis, oui, oui, bah, c'est sur notre chemin, vous pouvez vous mettre à la suite de tout le monde. Un de plus, un de moins, il n'y a pas de problème. Elle te dit, bah, écoutez, vraiment, vous êtes des envoyés de la loi sacrée, je vais pouvoir aller à Hira, en plus j'ai vraiment quelque chose d'important à faire, et vous le voyez donc mettre son petit coffret sous le siège du passager, remonter dans la carriole, et il vous dit bon bah vous êtes au complet, on peut se mettre en route. Et du coup je le regarde et je lui dis mais vous avez quoi à faire à Hira? Je dis peut-être que nous pouvons le faire pour vous, ça vous ferait un moins long voyage, parce que à l'aller vous nous aurez, mais pas forcément au retour. Fais-moi un jet de Azo, je vais me faire un jet de charisme avec un bonus de 10, le bonus Tyrius. Ça ne passe pas. Non, tu vois, en fait, c'est pas qu'il se défie de toi, c'est que tu dis, écoutez, oui, effectivement, j'ai quelque chose de vraiment très très important à faire, mais c'est ma mission. Je vous remercie vraiment, j'apprécie vraiment votre offre, mais c'est une mission qu'on m'a confiée et il faut que j'aille jusqu'au bout de notre mission. Très bien. Pendant ce temps-là, Sainte Abdel, que fais-tu ? J'ai perdu l'intégralité de la confiance et du respect que j'avais envers non plus demoiselle Azo, mais la voleuse, comme je vais la nommer désormais. Et je la nommerai la voleuse jusqu'à ce qu'elle se repente de... du blasphème qu'elle a osé faire. Ouais. Je vais donc prendre Aloé avec un air dépité, très 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 dépité, et je me dirige vers l'endroit où je pense être la suite du chemin, en gardant en tête que je reviendrai ici. Eh bien, bah, j'y vais quand même un peu en haletant, j'y vais pas en mode ma vie est pourrie, j'y vais quand même un peu en haletant parce que comme elle a dit, on a des taux d'affaires. Moi quand je vois son Abdel un peu déçu qui revient, je fais bah t'as encore pas réussi à prier? Alors, Tyrus, j'ai très 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 bien réussi à prier, et le Adrien ici présent n'avait pas confiance en toi sur le fait de pouvoir gérer 5 pauvres gens. Je vois que, à peu près 5 pauvres, puisqu'il m'a dit à peu près notre nombre. Je vois qu'il n'y a personne autour de nous, je pense que tu t'as un peu réglé le problème. 100% confiance en toi. Les gens, regarde, ils sont là, si jamais tu veux essayer de leur faire une prière. Ils ont l'air pas super gentils, mais je veux bien... Je vais leur parler à type. Non, non, c'est quoi? La voleuse là-bas, elle m'a dépité, j'ai plus envie de parler aux gens. On va continuer un peu la quête, mais t'as vu, j'avais confiance en toi, t'as réglé le problème. T'avais fait un ami, est-ce que je vois? Bonsoir, bonjour monsieur. J'allais regarder à hauteur d'humain, mais je regarde à hauteur de petit humain. Et je dis, je suis déçu. Ah bah, tu vois qu'il est étonné, il était en train de tendre la même chose de façon très très franche la main vers toi. Et tu lui dis, je suis déçu. Non mais je dis c'est déçu, je parle à Tyrus. Il s'arrête. Ah d'accord, du coup il comprend. Il te tend la main, ça s'appelle. Alors Tyrus, je dis juste, je suis déçu de la voleuse, de la...
et j'ai même honte de dire de la considérer comme un être humain, et je prends dans mes bras le petit. Il est très très surpris, mais il apprécie. Voilà, tu vois qu'il apprécie beaucoup ton geste. Et il te rend ton accolade et il te dit bonjour, je suis Bengam. Vous êtes le serviteur du grand mage Sirius, c'est ça? Non, pas serviteur, non, mais ami. Les serviteurs, c'est la voleuse et l'alchimiste. C'est plus des camarades. Ouais, mais on va dire serviteur, c'est comme une fille disait là, les serviteurs, blablabla. On garde un petit peu le disciple dans les bonnes grâces, sinon il va commencer à se rebeller et tout, pas compris. Mais je suis juste un ami, un très bon ami, et on a fait un bon bout de chemin ensemble. Très je bien. Me présente Saint Abdel. Enchanté, Bengam, je vais à Hera, apparemment nous y allons tous ensemble. Et ce que je vous propose, c'est de nous mettre en chemin. Et à ces mots, il saute sur sa charrette à la place du conducteur. Et il va avancer sur le chemin. Peut-être effectivement que Azo et Adrian vont prendre la tête. Alors moi je dis attendez. On s'est pas occupé de ces hommes qui ont attaqué. Pour l'instant ils sont juste enfermés là. Soit ils vont mourir de faim, soit ils vont s'échapper et recommencer. Et Bengam te dit, ne vous inquiétez pas, je vais en parler à Cantor, le chef d'Ira, c'est un grand guerrier, et il va envoyer ses meilleurs hommes s'occuper d'eux, et ils seront arrêtés, jugés et punis comme ceux de... Je me retourne assez discrètement vers Adrien, je fais, en tant qu'alchimiste, vous n'aurez pas genre une potion qui permet d'endormir les gens? Y'a Tyrus. Eh, Tyrus, tu veux, j'ai une petite botte secrète. Hein. Non, j'ai pas ça sur moi. Vous avez des problèmes de sommeil? Ah, c'est pas ça, c'est que, bon, bah, ces personnes-là, personne pas bien. Moi, je dis, ils ont pas besoin de tous leurs équipements, quoi. Mais apparemment, leurs équipements, ils sont enterrés, non? Ah, non, ils sont pas enterrés, ils sont dans un trou. C'est juste, ils sont encore là, on peut leur parler, on peut même leur jeter une corde si jamais on voulait être amis, mais c'est pas du tout le cas. Ah, ils sont dans un trou, d'accord. J'avais compris qu'ils étaient enterrés jusqu'à la fin. Ah oui, non, j'ai pas été jusqu'à là. Vraiment, juste... Bon, bah, ils sont dans un trou, donc si jamais on avait moyen de... Bah, de... Pas de les anesthésier, mais de les endormir, et on aurait pu les piller. Non, malheureusement, j'ai pas ça sur moi. Est-ce que, par tout hasard, je peux faire un petit... comment dire? Un petit package, ils sont 5, je peux faire un petit package sermon, tu vois, je me mets sur Aloé, et je fais un sermon et je les regarde tous, et je leur sors la petite technique secrète qui est bonne que pour moi, très cher MJ. La petite technique secrète qui n'est bonne que toi, c'est-à-dire... Le petit « je suis ton dieu ». Ah pardon, oui, effectivement, c'est vrai. Bah bien sûr, vas-y, tu es sûr de ce que tu fais? Je vais dire Goose Die. En même temps que lancer mon c'est ma petite phrase spéciale, parce que Goose en anglais c'est wa et I parce que je trouvais ça marrant. Donc j'utilise un de mes pouvoirs très marrant pour faire que tout ce bon petit peuple est sous ma tutelle. Allez, c'est parti, tu as 36%. Mais j'utilise un critique. Il faut que je passe un déjà. Tu utilises un critique, bah effectivement. Tu vois que les 5 hommes du pays blanc, les 5 guerriers, te regardent et te disent mais vous êtes l'envoyé du dieu invisible? Non, vous êtes le dieu invisible. Et il s'agenouille au fond de la fosse. Et il te regarde avec vénération et vénérable dieu serpent, vénérable invisible, nous vous suivrons et nous vous servirons jusqu'à la fin des temps. Je dis Tyrus, c'est comme ça qu'on fait. Oui, je n'ai pas ce genre de capacité. je prends ma corde et je les aide un par un à remonter. Mais assez surprenant comme pouvoir.
Ah ouais, Adrien, bon, je vous présente une capacité un petit peu, ouais, c'est vraiment compliqué à faire, faut utiliser les bons mots et tout, mais là j'ai pris, tu vois le truc que ton ami la voleuse m'a pillé, m'a permis d'avoir cette capacité, c'est pas mal. Je me retourne à Stanès, même si tu leur demandes, je suppose qu'aucun d'eux n'a de livre ou de connaissances particulières. C'est quoi ce genre de... Parce que j'aurais dit ça, je comprends pas c'est qui l'ordre invisible, c'est un truc que je vais prier dans pas longtemps, je pense. Oh bah c'est un peu petit, mais... Bon, je pense pas qu'il y ait des bouquins, hein. Ils ont l'air un peu... Du coup, je les regarde en face de moi et je leur fais vos prénoms. Bah oui, justement, j'allais venir. Donc, on va prendre des noms du chat. Donc, tu as devant toi Seikame, El Marcus 33, un guerrier plutôt patibulaire, Carthage 15, 3. Tu as Silosan. Et enfin, il me semble que nous avons un dernier, Vigine Tissantum. Et le dernier, et non des moindres, Silariel. Donc il y a Seikam, El Marcus, Silophane, Vivine, Silariel. Parfait. Très content. Et il s'ajoute. Tu as mis du temps parce que voilà, tu n'es pas l'homme le plus fort du monde. Mais tu as réussi à les faire sortir de leur fosse et ils s'agenouillent devant toi et te disent vénérable envoyé du dieu invisible, nous vous jurons sur le fleuve des morts une fidélité éternelle, ordonne, commande et nous obéirons. Je lui compte bien, très cher disciple. Suivez-moi, suivez-moi. Juste suivez-moi pour l'instant. Là, je regarde mes acolytes et je dis niveau discrétion, ça devient chaud là, les gars. Enfin, c'est pas faux. Si jamais on les cachait dans les navets. Et là, en parlant de navets, je fais. Ah ! Mais c'était ça ! Excellent. Vraiment, je l'aurais eu dès le premier coup, ça aurait été incroyable. Mais c'était moi, dommage, hein, mais. Je l'ai toujours pas. Mais bon, c'est... je vais dire à cette. Oui, mais vous n'avez rien de toute façon. Hein. Vous n'avez pas. De tendresse pour les gens, vous avez pas d'empathie, vous êtes vraiment un sens de l'humour. Tiens, mon fidèle CK me dit jetez un œil constant sur la demoiselle là-bas. Chaque fait et geste, vous le suivez. Il va te dire comptez sur moi, grand prophète du dieu invisible. J'engage ma vie là-dessus. Et peut-être que vous allez reprendre votre trajet jusqu'à Hira maintenant. Toujours Adrien et Azo en tête, suivi de la charrette de Bengan, de Saint-Abdel et de Tyrius, et de six guerriers blancs à pied. Vous allez donc cheminer pendant un moment. Et Bengan va vous montrer sur votre droite, il fait vraiment très très beau, le soleil est maintenant haut dans le ciel, il est quasiment midi. Et vous allez voir, donc grâce à ce grand soleil, un arbre, il vous paraît immense, et pourtant vous comprenez qu'il est très très loin. Et Bengam vous dit « Connaissez-vous cet arbre et connaissez-vous l'histoire du Paimon ?» Alors ça, c'est la phrase. Du coup, connaissons-nous cet arbre et l'histoire du Paimon ? Parce que, en tant qu'être érudit, est-ce que j'en ai entendu parler ? Oui, en termes de jeu, je considère que les deux érudits, c'est-à-dire Adrian et Tyrius, si vous avez des connaissances HRP, vous les avez RP. Ok. Là, du coup, je réponds que oui. Oui, je connais très bien cet arbre. Ouais. C'était d'ailleurs. Il est très connu pour. C'est le figuier incroyable. Sacré, c'est ça. Mais tout à fait, c'est le figuier sacré de notre bonne déesse Mon. Connaissez-vous l'histoire terrible et triste? Bien que parsemé d'amour de la déesse Mon. Ouais, je vous avoue que ma mémoire me joue des tours. Je l'ai entendu il y a longtemps.
Mais là, je ne me souviens oui, plus. Oui, je comprends. Je comprends, vous n'êtes pas des natifs de Mon, mais écoutez, je vais vous la raconter avec plaisir, vous les amis qui m'avez sauvé, et vous, Tiréus, le puissant magicien. Savez-vous que... Ah, mon bouquin. J'ai commencé à écrire. Savez-vous qu'il y a très longtemps, marchait sur cette terre notre déesse Mon, la sœur de la déesse Ina, une déesse remplie de compassion et de miséricorde. Et elle était l'épouse du roi des dieux. Et ensemble, ils ont traversé le pays et ont offert leurs bienfaits à notre peuple. Malheureusement, ils étaient pris de connaissances et d'exploration, et ils ont décidé d'aller explorer le maudit Pays Blanc, cette île au nord de notre pays, et qui est, comme vous le voyez, et il hoche la tête vers les guerriers blancs, occupés par des hommes très méchants. Et malheureusement, ces hommes ont tué la déesse Mon. Le roi des dieux est pris de douleur, a mené une guerre contre ces guerriers blancs. Il les a rejetés dans cette île et il a maudit l'île qui est devenue stérile. Malheureusement, n'ayant plus suffisamment de quoi subvenir à leurs besoins, les guerriers blancs sont venus nous attaquer, nous, le pays Mon. Heureusement, le roi des dieux nous a toujours protégés. Mais à un moment, le roi des dieux s'est exilé. Il a disparu et il n'a plus répondu à nos prières. Et depuis, les guerriers blancs viennent en hiver nous asservir, comme vous le voyez. Et cette histoire est vraiment triste. Et savez-vous pourquoi il pleut tout le temps dans le pays Mon? Essayez de deviner. Parce que c'était parce que le dieu des dieux, il est triste. Et oui, effectivement, trop, vous avez trop pas. Ce sont les larmes du roi des dieux. Et depuis, il pleut sur le pays Mon. Et il y a une légende qui dit que la fille du roi des dieux et de la déesse Mon serait déjà parmi nous. Et une légende raconte qu'un groupe de héros particulièrement bon et valeureux. C'est pas nous, du coup. Ouais. Parce qu'elle est voleuse dans notre groupe. sont destinés à sauver la descendante de Mon et du roi des dieux. Et à ce moment-là, quand la princesse Mona montera sur le trône, le pays Mon sera enfin libéré du joug des guerriers. Mais en attendant, je suis heureux que vous m'ayez sauvé de la menace de ces guerriers. Et vu que vous avez bien répondu à l'énigme des larmes du roi des dieux, je pense que vous êtes vraiment des envoyés de Mon. Et il va sortir son petit coffret et il va vous dire voilà, c'est ma mission. Je suis actuellement le porteur du couteau sacré de Mon. Et il va y avoir une grande fête à Hera, où nous allons arriver bientôt. Et cette grande fête, en fait, sert bien sûr à célébrer la loi sacrée. Et je viens de Nanda, où le grand prêtre Kinji m'a confié ce couteau. Et je vais le donner à Cantor, le chef du village, pour célébrer la fête de loi sacrée. Et vous êtes bien sûr naturellement conviés à cette fête. Et vous serez, je pense, des invités d'exception.
Enfin, je pense que nous serons tous très 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 contents de vous avoir à cette fête. Et justement, à ces mots, vous arrivez devant un petit village fait de bois. Vous sortez de la forêt de bouleaux. Vous arrivez devant ce petit village modeste sur une colline verdoyante. Village entouré de palissades. Et vous arrivez devant la porte et sur une petite tour au-dessus de la palissade, vous voyez un homme c'est un petit moine, mais il a beaucoup de prestance. Et quand Dengan l'interpelle et lui dit « Cantor, Cantor, c'est moi Dengan, je t'en prie, ouvre-nous la porte » et fêtons dignement la fête de loi sacrée. Et effectivement, Cantor, chef du village, lui répond « Ah, Bengam, je ne t'attendais plus, j'ai vraiment eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. » Et Bengam lui dit « Non, non, effectivement, j'ai été protégé par ces nobles voyageurs. » Et vous êtes tous les quatre avec Bengam, accueilli à l'intérieur du petit village d'Ira. Oh. Vous avez donc Cantor qui arrive et qui vous dit bienvenue. Les six mecs du pays. Les six cucus derrière, ils leur font pas flipper. Il n'y a aucun problème aussi. Ils attendent à entrer, ils se passent quoi? Eh ben non, je pense qu'ils sont rentrés derrière vous et Cantor. Les regards, oui, il est vraiment étonné, mais vous voyez qu'il a entièrement confiance en Bengam et il lui dit mais qui sont ces guerriers? Ce sont censés être nos ennemis et ils semblent être particulièrement pacifiques. Là, je l'interviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dire. Alors, grâce à la technique plus commune appelée acabienne du pourparler et une certaine aisance à l'oral de votre humble serviteur, et une certaine technique de lavage au cerveau, si vous voulez, je peux vous apprendre ça, ça prend quelques milliers d'années, j'ai pu amadouer et rendre une certaine intelligence, de reconnaître en moi une certaine divinité, leur divinité invisible, je sais pas quoi, et maintenant ils m'écoutent. Voilà. Ah, leur dieu invisible, oui, oui, effectivement, l'ennemi de Mon. J'ai une question à vous poser. Le dieu des dieux, le dieu exilé, je crois, de ce que j'ai entendu dans l'histoire, est-ce que c'est une personne qui existe dans le sens où il est matériel? Ou c'est un dieu immatériel qu'on peut voir en statue? Quand Thor te dit, écoutez, je ne suis pas spécialement un théologien, moi je ne connais que les histoires, c'est vrai qu'on dit que Mon est... La Desmon et le roi des dieux ont parcouru le pays Mon comme des êtres de chair et de sang, comme vous et moi. Intéressant. Merci. Bonjour, monsieur Cantor. Oui. Je cherche une certaine herboriste d'Ira. Je suppose qu'elle est ici. Ah, oui. Mais bien sûr, oui, Kylian. Oui, effectivement. Je ne sais pas, alors excusez-moi, je ne veux pas vous manquer de respect, mais je trouve qu'elle vous ressemble beaucoup, c'est peut-être juste le fait qu'elle a des yeux jeunes comme vous. Par contre, c'est vrai qu'elle est rousse. Elle est très, très, très rousse. Oui, oui, c'est notre bonne herboriste du village. Bah, écoutez, oui, oui, regardez la maison tout au fond, la plus grande maison au fond du village. Et il te montre effectivement à Adrian un très beau cottage entouré d'un potager, d'un immense jardin et même d'un petit bois qui se trouve en flanc de colline. Et il te dit vous venez commercer avec elle, j'imagine. Oui, c'est ça. Mais à partir du moment où il m'a dit ça, je l'écoute plus vraiment et je suis déjà... déjà parti. Très bien. Effectivement, Adrien, tu vas foncer vers le cottage. Oui, Azo. Ben moi, je le suis en fait.
Adrien, suivi d'Azo, vous allez en entendant les informations, je sais que c'est... Je suis petite pas, mais si jamais j'entends où est la maison, je retiens. Et je sais que c'est là-bas. Très bien. J'interpelle quand t'entends. Moi, du coup, je le suis parce que bah, j'ai rempli ma mission. Et oui. Donc, du coup, j'y vais et je suis, mais... toute frétillante, toute... Enfin, vraiment, c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Et pendant que Saint-Abdel continue à discuter avec Je veux un truc Cantor, spécifique, hein, ce bonobo, hein, ce bonhomme. C'est vraiment une information capitale à mes yeux. Bon, on va la faire rapidement, alors. Monsieur Cantor, qui s'occupe de la chapelle de loi sur la route? Bah écoutez, c'est Kinji, le grand prêtre de Mon à Nanda. Eh ben, je lui donne mes deux pièces d'or. Et je dis, tenez, ces deux pièces d'or, vous pourrez le mettre à Kinji, s'il vous plaît, pour qu'il redore, qu'il redore le blason de la statue de loi sacrée dans la chapelle qui a été profanée. Ah ben il prend tes deux pièces d'or et il te dit mais décidément vous êtes un être plein de surprises et un homme très très bon et très pieux. Je vous remercie, ne vous inquiétez pas, je ferai passer, je pense que c'est Bengam qui s'occupera de ça, c'est un homme de confiance. Et d'ailleurs il faudra que je vous parle de quelque chose, Saint-Abdel, mais pas tout de suite, encore. Il est temps de préparer les festivités. Voilà, vous allez vous faire une grande accolade. Saint-Abdel, tu vas me lancer un dédice. Pendant que Tyrius, Azo et Adrien vous avancez à flanc de colline, Saint-Abdel, tu passes à 38% pour la voix du prophète. Et je lui dis à l'oreille, l'attente est plus dure que le feu. Et pendant ce temps-là, Adrien, tu arrives devant ce très très beau cottage. Tu reconnais effectivement un jardin potager, herboriste. Tu reconnais certaines plantes, d'autres non. D'autres qui sont acclimatées de Kniga, d'Aria, d'Oniria, d'Osmanli. Vraiment un magnifique jardin. Tu reconnais clairement la patte de Kylian. Et peut-être la touche de quelqu'un d'autre. Et arrivé au portail, tu es accueilli par une jeune femme, Mon, qui te regarde et qui te dit « Bonjour, noble voyageur, je m'appelle… » Alors, c'est pas une femme, pardon, excuse-moi, c'est un homme, donc un petit homme. Timon, il te dit « Bonjour, je m'appelle Will la Chouette. Je suis Will O. Et vous voulez certainement… je vois que vous êtes de Kniga. Vous voulez certainement converser avec nous ?» Ah oui, je cherche Kylian. Ah, vous cherchez mon épouse ? Bah attendez, je vais la chercher. » Et il repart vers la maison. Et quelques minutes plus tard, tu as le plaisir et le bonheur de retrouver enfin, après 3 ans d'absence, ta grande sœur Kylian. Elle sort de la maison, elle est un petit peu interloquée. En même temps, elle te jette un regard, Azo, un regard vraiment de reconnaissance. Et elle va courir vers toi, Adrien, et elle va se jeter dans tes bras. Elle va te dire « Adrien, mon cher frère, mais quel plaisir de te revoir enfin !» Mais c'est ici que tu te cachais. Ça fait 3 ans que tu as disparu, on n'avait pas de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, écoute, mais effectivement, tu as bien trouvé les bons mots. C'est ici que je me cachais. Il a fallu que je quitte Kniga... très très rapidement, vois-tu, je suis maintenant une criminelle recherchée à Kniga. Papa et maman m'ont permis, grâce à leur
Alors, connexion avec le quai automatique de vite prendre un bateau. Et j'ai dû fuir au royaume d'Aria. Et mes pas m'ont conduit en Paimon. Et figure-toi que je suis très heureuse, puisque finalement, j'ai rencontré mon époux. Et elle te présente donc Will. Elle te dit, mais écoute, non, mais ne parlons pas de ça ici. Rentrons. Et Damaso, vraiment, je vous serais reconnaissante toute ma vie d'avoir transmis ce message. Je vous en prie, rentrez. Et puis, le monsieur là qui vous accompagne, l'érudit d'Aria, je pense que ce sont des amis, un ami à toi, Adrien. Ah oui, il nous a accompagnés, il nous a beaucoup aidés sur la route. On serait peut-être pas arrivé sans lui. Il est assez étonnant. Est-ce que je peux faire un jet de perspicacité? Parce que du coup, je me dis que si c'est une criminelle recherchée et que bizarrement, il cherchait une botaniste et que je lui ai dit que j'étais botaniste et que c'était pas moi qui cherchais, je sais pas, il y a un truc qui fait tilt. D'accord, ok. Alors, par contre, je te le dis, pour cette fois-ci, ça passe, mais on n'annonce pas les jets. Ah oui, d'accord, pardon. Voilà, parce qu'en plus, ça peut être à votre désavantage d'annoncer les jets. Tout à fait, pardon. Fin de la soirée. Pas de soucis. Je suis plus concentrée. De... En gros, Azo, je me rends compte que il y a un truc qui cloche. Enfin, c'est trop bizarre, il a voulu nous suivre. Et je sais pas, je le sens pas. Je le sens pas du tout et j'arrive pas. J'ai un pressentiment. Tu peux effectivement me faire un jeu de psychologie, Azo, avec un bonus de 10. Trop de suspense. Pendant ce temps-là, vous allez rentrer dans la maison, vous allez pouvoir vous asseoir, vous attabler. Ça ne passe pas. Voilà, bah écoute, je pense que Azo, tu es vraiment perturbée et tu souhaites vraiment aller jusqu'au bout de ton aventure, de ta mission, et ta réflexion est perturbée par ça. D'accord. Donc, vous allez rentrer, Tyrus, Azo et Adriane, dans la maison de Kylian. Vous êtes reçus donc par Will et Kylian qui vont vraiment bien vous recevoir. On va vous servir, donc c'est l'heure de manger, hein. On va vous servir de l'oie rôtie, vous allez avoir de la liqueur de narambule, vous allez pouvoir bien boire, bien manger, vous avez des pâtisseries. Et Adrien, tu vas voir aussi l'excellente surprise d'être présenté alors à quelqu'un dont tu ne soupçonnais absolument pas l'existence, une petite fille qui est en train de dormir paisiblement dans la pièce à côté de la cuisine, et elle t'est présentée comme Elora, ta petite nièce, la fille de Will et Kylian. Ok, donc je suis assez ému quand même, parce que pour moi, je retrouve ma sœur, elle est mariée, elle a une enfant, ça me fait bizarre. Au cœur. Ouais. Surtout que je sais, elle m'a dit vite fait, mais je sais toujours pas pourquoi elle est partie et pourquoi j'avais pas de nouvelles depuis si longtemps. Je me suis beaucoup inquiété et pour moi, là, pour l'instant, elle a l'air... d'avoir vécu la belle vie en attendant, quoi. C'est ça, elle a l'air très très heureuse et elle comprend à ton visage, à ton expression, ton cheminement de pensée, et elle te dit écoute mon frère, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, toi tu es encore jeune étudiant à l'académie et je voulais absolument pas t'impliquer dans cette histoire. Tu sais que j'ai toujours eu à cœur de soigner les pauvres des bas quartiers de Kniga. Oui. Et je sais que papa et maman et même toi, vous désapprouviez mon choix de carrière. Vous pensiez que j'allais devenir une très brillante alchimiste.
Et je pense que vous aviez compris que je me destinais vers la médecine et plutôt à aider les pauvres et les défavorisés. Et vois-tu, à un moment donné, à l'académie, je me suis trouvée devant un mur. On ne m'apprenait rien pour soigner et aider ceux qui en avaient besoin. Et à un moment donné, j'ai craqué. Alors j'ai été quand même aidée de notre professeur préféré, Morov. Et tu sais qu'il est. Alors il a des idées un peu bizarres sur comment soigner les pauvres, mais voilà, il veut bien faire. Mais bon, je pense qu'il s'y prend pas forcément très très bien. Je lui ai demandé quand même de m'aider, il a bien voulu. Et j'ai volé le Codex Botanica Kniga. Là, d'un Ah, coup, ça d'accord. touche mon oreille. Je quoi? Un collecte Botanica? What the poggers? Et là, je dis, oui, nous le savons et vous avez promis que nous pourrions le lire. Oui, bien sûr, Azo. Et alors, lui et elle vont débarrasser la table et vont vous déposer devant vous un gros codex. Alors, contrairement au codex habituel, la couverture n'est pas très très riche. Il est assez simple, assez sobre. Cependant, la tranche, elle est faite en métal. Et coincé à l'intérieur de la tranche, vous voyez un étrange cristal violet, légèrement lire. Et Azo, si tu le souhaites, tu peux consulter le Codex Botanica Kniga à la recherche de ce que tu souhaites. Bah, je suis la personne la plus heureuse du monde. J'arrive au bout de ma mission. C'est pour ça que j'avais signé. Et du coup, clairement, je regarde le livre comme un trésor et je me mets à table et j'ouvre la couverture et je commence à chercher l'information Alors moi, je mets précieuse. derrière et je relis derrière elle tout aussi. Mais dans ça, j'ai quand même une pensée. Je fais, ah oui, au fait, j'étais pas là pour rien à la base. J'étais quand même venu pour chercher un plan de Vitania pour Monsieur Barkovitch, professeur de chimie à l'Académie de Varia. Et Kylian se dit oui, bien sûr, évidemment, oui, j'ai reçu un corbeau. Ils sont un petit peu longs, ces bêtes-là. Ils ont tendance à traîner en chemin. Oui, je vous ai préparé ça. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir avec un plan de Vitania. Je l'ai acclimaté au climat d'Aria. Vous pouvez la faire pousser dans la serre d'Iris. À l'Académie de magie, elle va te donner un petit paquet qui contient effectivement un plan de Vitania. Et pendant que Azo lit, Kylian te dit, Adrienne, elle te dit, tu sais que en plus d'avoir volé un codex, j'ai volé un cristal. Et tu sais que ce qu'il en coûte. Oui, bien sûr. Et tu comprends pourquoi je ne t'ai pas donné de mes nouvelles tant que tu étais encore étudiant à l'Académie de magie. Et tu comprends pourquoi j'ai dû user de ce stratagème de contacter via Damaso. Ouais. Et du coup, tu restes ici maintenant. Bah écoute, de toute façon, si je retourne à Kniga, je mets ma vie en jeu. Et puis vois-tu, finalement, j'ai fui la mort et j'ai trouvé le bonheur en plus. Oui, je vois ça. Donc finalement, est-ce que c'était pas mon destin? Mais je voulais vraiment être sûre de te revoir au moins une fois, mon frère. Et que tu comprennes pourquoi j'ai fait ça et peut-être me pardonneras-tu. Maintenant, je sais où tu es. Tant que tu es heureuse, moi, ça me va.
Et elle te tombe dans les bras en pleurs. Elle te dit, mais c'est merveilleux. J'ai ton pardon et c'est tout ce qui compte. Ouais, ben, je la serre dans mes bras. Et... Une très très belle scène de fraternité. Pendant ce temps-là, Azo, tu vas me faire ton petit jet d'érudition. Ça aurait été bête de le servir. Ouais, c'est clair. Azo, tu vas trouver clairement l'entrée que tu cherches. La plante que tu désires ardemment se situe uniquement à deux endroits très difficiles d'accès, qui se trouvent tous les deux dans le royaume d'Akaba, donc au sud de la mer de la Morsure, au sud de Daria. Premier endroit, c'est l'oasis de la sagesse. L'oasis où vont les djinns qui ont été délivrés de leur déa, de leur affiliation à un humain. Où se trouve effectivement cette plante qui est gardée par ces êtres qui sont des demi-dieux et immortels. D'accord. Donc tu comprends que c'est un endroit où ça sera très difficile d'accès, quoique pour une voleuse expérimentée, pourquoi pas, ça peut se tenter. Le deuxième endroit se situe au-delà du désert du Roub al-Kaïd. Au-delà du désert blanc, du désert de sel, au-delà des piliers qui séparent le désert blanc du désert noir, dans la cité cachée et sacrée d'Irem, se trouve un plan de la pente que tu désires tant, et peut-être pourrais-tu un jour la trouver. Moi, j'ai entendu le truc des djinns, j'ai fait « Ah, mais je reconnais !» Voilà, Thierry, peut-être que j'ai déjà vu cette plante, en plus, ça se trouve, si je sais. Hein. Fais-moi juste, Thierry, un jet d'érudition. Ouais, va bien se passer. Bien sûr, j'ai arrêté aucun jet, c'est ça. Bon, ça passe. Effectivement, Tyrus, tu fais A plus B égale C. Tu reconnais les fleurs que vous aviez vues de loin dans la presqu'île, l'oasis de la sagesse. Presqu'île, vous n'avez absolument pas mis les pieds. Vous avez peut-être autre chose à faire. Et tu comprends que cette plante, donc tu le lis, cette plante s'appelle le lys mystique rose, appelé aussi fleur de vie. Et tu lis que cette fleur, si elle est suffisamment... il faut faire un certain rituel que tu arrives à lire, à décrypter très facilement. Et qu'au bout de 3 mois, tu peux récolter un djinn qui servira ta volonté. Et Azo, tu lis exactement les mêmes choses que Tyrus. Ok. Très bien. Ben, je retiens et j'écrirai dès que j'aurai. Après avoir continué à lire plus de parties de ce livre, parce que c'est un bouquin, un codex que j'ai encore jamais lu et donc qui m'intéresse en rien. Tu vas pouvoir le lire tranquillement, puisque Adriane et Kylian sont en train de parler de choses familiales qui finalement ne vous intéressent pas forcément. Vous allez quand même au bout d'un moment pouvoir vous lever, c'est l'après-midi, et Kylian vous dit, écoutez, ma maison est votre maison, si vous souhaitez visiter le jardin, et si vous avez besoin, Adriane, si tu as besoin d'accéder au laboratoire, alors ce n'est pas un laboratoire aussi efficace que celui de l'académie, mais vous êtes ici chez vous, et puis de toute façon, la fête n'aura pas lieu avant ce soir. Ah ben, ça tombe bien, parce que j'ai trouvé une petite chose sur la route, et si t'as une petite fiole qui traîne, disons qu'on m'a aidé à trouver... Ouais. C'est une petite fiole qui traîne, j'aimerais bien faire une potion.
Ah bah écoute, oui mon frère, je suis toujours intéressée par de nouvelles plantes. Et puis bien sûr, hein, j'ai autant de fioles que tu le souhaites. N'hésite pas à te servir en ingrédients. Moi, du coup, ah, pardon. Et tu vas donc utiliser, j'imagine, alors, La vanillis. Papillon, vanillis. Donc bah, tu es sur un laboratoire, tu as 100% de chance de la réussir. Tu peux noter donc potion de vanillis. Tu pourras peut-être lui donner un nom plus tard. Tu as 55% de la réussir. Et c'est effectivement une potion qui fait grandir n'importe quelle plante instantanément, de manière fulgurante. Ok, ça marche. Et Kylian te dit, mais décidément, mon frère, je vois que tu es toujours un aussi grand alchimiste. Tu connaissais cette plante, j'imagine. Oui, Elle vient d'ici. oui, bien sûr, bien sûr. Je l'utilise d'ailleurs. En fait, il faut que je sois honnête, c'est Will qui m'a appris à faire cette potion, parce que c'est un grand herboriste, même un meilleur herboriste que moi. Et elle s'adresse à son mari qui, c'est un taiseux, hein, il ne parle pas beaucoup, qui fait un grand sourire. Et elle te dit, et d'ailleurs, regarde notre jardin, vois tout ce que nous avons fait. Mais les gens d'ici ont l'air plus doués que ce qu'on m'avait dit à Kniga. Et cette plante, c'est mon ami Tyreus qui me l'a montré et qui m'avait même dit ce que je pouvais faire avec. Donc moi qui pensais que ces secrets-là étaient réservés à Kniga, je suis pas sûr qu'on nous dise tout le temps la vérité là-bas. Je pense Ouais, j'ai effectivement, un oui, quoi. mon frère, qu'il faut voyager et découvrir le monde. Et je pense que aussi avancer technologiquement, que soit Kniga, je pense que nous sommes arriérés pour certains. Moi, je fais quand même remarquer que j'ai un savoir extrêmement grand et que c'est un peu normal que je sache des choses qu'il ne sait pas. De façon hautaine, mais totalement naturelle, sans vouloir me le péter. Voilà, Thierry. Voilà, vous êtes devant dans ce jardin, dans cette belle après-midi. Il me semble que Azo, tu voulais faire quelque chose. Oui, avant de partir du coup, en promenade, j'avais envie de remercier Yann. Et du coup, je voulais partager avec elle la mousse que j'avais trouvée et aussi lui donner l'or que j'ai trouvé. Parce que elle en a sans doute plus besoin que moi. Vu qu'elle a une famille, qu'elle a une situation bien difficile. Moi, alors, c'est pas quelque chose que je veux accumuler. Je veux plutôt le redistribuer aux bonnes personnes. Et je me rends compte que c'est quand même stupide d'avoir, entre guillemets, profané la chapelle, parce que la chapelle, c'est la chapelle du village. Donc sur le coup, je me dis que je lui rends juste ce qui lui appartient. Elle va être très très surprise de te voir lui tendre cette pièce d'or et l'or de loi sacrée. Elle te dit, mais Damaso, c'est moi qui suis votre éternel obligé. Grâce à vous, j'ai enfin retrouvé mon frère en toute sécurité. Sans vous, j'avais vraiment trop peur que mon message soit intercepté par la guilde des assassins. Je ne peux vraiment pas accepter votre offre. C'est Et pas je lui possible. dis, je lui dis en fait, mais j'insiste, vous vous rendez compte que ma soif de connaissance a été assouvie et il n'y a pas plus belle récompense. Clairement, c'est à moi de vous remercier. Mais écoutez, cet argent sera bien utilisé. Je l'utiliserai pour acheter des composants rares à Aria. Et ces composants serviront à soigner les gens d'Ira. Là qu'ils en ont bien besoin, ils subissent des choses terribles à cause des attaques des guerriers blancs. Vraiment, je vous remercie pour ça, Damaso. Et du coup, je l'ai fait, j'ai pas précisé, je l'ai fait discrètement parce qu'en gros, pas dans la recherche de la reconnaissance ou quoi, je fais juste les choses parce qu'elles me semblent justes, celles-là. Hein.
telle une Robin des Bois. Et du coup, je suis extrêmement fière de savoir que ma mauvaise action sera transformée en bonne action. Et je n'en parle à personne, bien évidemment, et j'espère que personne ne m'a vu faire. Très bien. Bah, je pense qu'il n'y aura pas de, jet pour ça. Et c'est vraiment une très très belle action. Après, je peux essayer de faire genre « Ah, c'est pour ça qu'il réussit à utiliser la voleuse !» Kyrus, tu veux dire Saint-Abdel ? Saint-Abdel, putain, j'ai lu mon pseudo en disant « Je vais en dire le titre. Ah bah, si c'est ça, si tu veux faire ça, Tyrus, Azo, tu vas me faire un jet de discrétion. Pas sans plus, je n'ai rien à dire. Mais tout finit bien. Tyrus, tu peux me faire un jet de perception, tu peux faire mieux. Oui, bon. Je suis pas pour la merde, donc je vais quand même jeter ce dé. Fais-le, s'il te plaît. Oh, let's go! Eh oui! J'aime les dés. Dis ça! Effectivement, tu peux t'esclaffer, Tyrus, sans problème. Mais je pense que c'est à ce moment-là que Saint-Abdel passe le pas de la porte, d'ailleurs, de la cheminée. Let's go. Donc, effectivement, Saint-Abdel, tu rentres dans cette chaumière. Toi, tu as passé du temps à discuter avec le chef du village de théologie. Et je pense que, d'ailleurs, il t'a amené sur la place du village, toujours pareil, en flanc de colline, où tu vois du monde qui est en train de faire les préparatifs pour ce soir, pour la fête de ce soir. Et donc, vous avez bien discuté. Il t'a offert à manger. Hein. De toute façon, ils sont en train de crier des canards, des oies, des volailles. Il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir manger à ton sou. Et à un moment donné, tu vas te rediriger vers donc le cottage. Et tu vas passer la porte au moment où tu vois donc Adrienne et Kylian qui sont dans les bras l'un de l'autre en pleurs, vraiment en pleurs. Tyrus qui est en train de lire consciencieusement un codex, c'est l'habitude, et Azo qui est en train de discuter avec Kylian et de lui faire un petit peu des messes basses. Et à ce moment-là, Tyrus, tu t'exclames. Ah, c'est pour ça qu'il disait que c'était la voleuse. Ouais. Ça paraît logique. Cette voleuse-là, elle prend le temple, là, elle gratte le truc, vraiment, ça me répugne. Elle vient de lui donner, là, je croyais. De quoi elle vient de donner quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de donner? Bah, ce qu'elle a volé. Elle a... Quoi? Elle a rendu ce qu'elle a volé. Bah, c'est fou. Moi, tu sais, je suis pas toujours tout. Ouais, non, mais t'inquiète, je sais que t'es lent, mais t'es très rapide quand il s'agit de prendre une décision. Disons que je pense que tu aurais mené ton enquête, et tu reviens me voir quand t'auras le coup, histoire de m'expliquer, et là je serai de bons conseils. Demoiselle Azo ? Je ne t'écoute pas. Demoiselle Azo ? Je ne t'écoute toujours pas. Il peut être long. Seikam. Oui, vénérable disciple de l'invisible. Je t'avais bien dit de jeter un œil sur la demoiselle, là. Tout à fait, vénérable disciple du dieu de la magie et de la sagesse. Est-ce qu'elle a fait ce que mon ami a fait ? A dit qu'elle a fait. Oui, vénérable. Merci bien, Seikam. Et je pense que le soleil est en train de se coucher, mais vous pouvez continuer. Bah, je lui dis juste, votre cause est noble. Je ne vous porte plus mal dans mon estime. Je te regarde et je te dis, j'espère que vous en tirez une bonne leçon. Il ne faut pas juger au premier regard. Pour une personne aussi pieuse que vous, je suis déçue de l'attitude que vous avez. Du coup, je réplique avec un ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu dis ne vaut pas mieux que le silence. Persistez et vous signez. Et je pars de façon très hautaine, avec ma démarche la plus guillerette, parce que je suis bien contente de toujours faire le bien.
est de sauver les causes qui me semblent le plus justes. Et du coup, je lui dis, en mode vraiment gentil, chose donnée de mon cœur, vaut son pesant d'or. Mais je suis déjà loin. Rappelle-moi, Azo, la mousse bleue, tu en avais fait quelque chose ? Du coup, j'en ai donné une partie à Kylian et j'en ai gardé une partie parce que je sais que tu m'as signifié que mon... Oh, j'ai pas le mot. Que mon mentor en voulait. Du coup, à l'occasion, je lui distribuerai la fin. Très bien. Et Kylian va te dire, Adriane, mon frère, est-ce que tu voudrais voir à quoi sert cette mousse turquoise? Je t'avouerai que je ne suis pas une personne pieuse. Apparemment, Dame Azo l'a trouvée à la chapelle de l'étang. Et je pense qu'on pourrait en faire quelque chose. Oui, ça m'intéresse. Est-ce que tu sais comment cette mousse s'intitule ? Non. Je lui ai dit que c'était une mousse bleue. Non, je te l'ai dit. Ah, effectivement. Oui, mais est-ce que j'étais là ? J'étais là quand tu l'as dit ? Ah oui, elle te l'a donné. Oui, je te l'ai dit, en fait, je t'ai donné. T'as décidé de t'amadouer. J'ai voulu t'en vendre. Attends. Oui, bien sûr. On va monter un peu le chat. ah oui, c'est un nom. Attends. Rapport à de l'eau, bizarrement, je sais pas, mais oh, bizarre. Ah oui, de l'aquabrio. L'aquabrio, oui, bien sûr. Le temps que ça remonte. Mais oui, mais bien sûr, mon frère, c'est de l'aquabrio, évidemment. C'est un petit moment d'absence, excuse-moi. Y'a pas de soucis. Je te dis, mais t'inquiète pas, mon frère, c'est. C'est l'émotion des retrouvailles. Oui, c'est ça. C'est ça. Kylian, dans un laboratoire, donc tu as 100% de réussite. Si tu souhaites faire une potion, autant de le faire. Ah oui, bien sûr. On n'a pas 100 non plus. Donc tu peux noter potion d'aquabrio, 60% permet de respirer sous l'eau. Et à ce moment-là, vous allez entendre un gong être sonné près de la colline et vous comprenez que les festivités de Loire Sacrée commencent. Et Will vous dit vite, il faut y aller, je vais avoir les premières places pour assister au concours. On y va ? Ah, moi j'y vais. Ah, bah oui. Ah, j'y cours. J'y cours pas. J'y vais de manière à ce que. Je suive la marche. Oh, maintenant que j'ai retrouvé ma sœur, je suis tellement heureux, je suis bien... Moi, je demande, c'est un concours de quoi ? Ouais. Parti pour c'est... profiter des festivités, maintenant. Parce que c'est important. Quelqu'un qui... Ouais. As you know. Eh ben, vous allez arriver, on va... Alors, moi, vous je installer... Je vais d'abord demander, avant de partir, c'est un concours de quoi ? Et ben oui, ben oui, le te dit venez, Mastirus, il s'agit du grand concours de lancer de tronc d'arbre et le prix est incroyable. C'est une hache d'or pouvant couper n'importe quel arbre. Let's go. J'ai peut-être 6 bras derrière moi. Je lui demande s'il y a des règles spéciales dans ce dans ce ce concours. Enfin, c'est quoi les critères ? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on va pouvoir utiliser, comme de la magie par exemple ? Alors, il te dit, bah, écoutez, alors, la magie, moi je ne connais que la magie des plantes et la magie de mon épouse, la magie des potions de Knigar. Donc, si vous voulez utiliser ce genre de magie, non, je pense que ce serait tricher. Et en fait, puis en plus, moi, je ne connais pas vraiment de magie qui pourrait vous aider dans ce genre de concours. Il s'agit de lancer un tronc de 6 mètres de long et de 60 kilos. En fait, chaque concurrent va devoir d'abord soulever le tronc. Donc, en termes de jeu, il faudra me faire un jet de dextérité. Ensuite, il va falloir prendre son élan
Alors, bien sûr, on le fait en prenant l'élan de la pente de la colline. Et en termes de jeu, il faudra me faire un jet d'athlétisme. Et enfin, il faudra lancer le tronc le plus loin possible. Et en termes de jeu, il faudra me faire un jet de corps. Il te dit, mais par contre, on peut participer, enfin, on peut faire des équipes de deux. Ça, c'est possible. Et en termes de jeu, on prendra le meilleur jet de chacun. Et enfin, lui, il finit par vous dire, en fait, il n'y a que deux concurrents très, très forts. Beldo, le guerrier le plus fort d'Ira, et Kraldu, un chasseur très très agile. J'ai une question. On est d'accord que c'est les gens de Bim, nous. Non, on va. Faut pas poser ces questions-là. Est-ce que tout le monde les gens de Bim. Tout le monde a le droit de participer. Ah bah, je suis même pas peu fier de ce que j'ai à proposer. Donc. T'as 6 joueurs possibles. Hein. J'ai 6 joueurs dans 2 équipes de. Non, 3 équipes de 2. Ah non, fais pas 3 équipes de 2. Fais juste 6 équipes de 1, t'as plus de chances de gagner. Ah oui, il faut. Leurs jets sont aidés l'un à l'autre, donc en gros c'est beaucoup plus worse. Je vais l'avoir, t'inquiète pas que je vais l'avoir cette hache. Je te fais confiance là-dessus. Bah du coup, si jamais c'est ça, moi je demande si je peux rentrer regarder le livre. Regarder le livre, parce qu'un concours de force c'est vraiment pas dans ma nature ou dans ma... Tu peux écrire comment les gens ils portent les trucs, hein. Imagine, ça peut te donner la capacité de... Non, moi je vais regarder le codex botanique plus que voir des gens soulever des troncs d'arbres. Kylian va te dire, Thierus, je vous en prie, vous êtes un ami de mon frère, et puis je vois que vous êtes une personne très respectueuse des livres et de l'édition. Écoutez... prenez le livre, mettez-vous dans un coin pour pas le tâcher, mais participez à la fête quand même. On va boire, on va manger, on va s'amuser, on va danser, ne restez pas tout seul à la maison. À moins que vous vouliez garder la petite Elora. Moi, ça me dérange guère de garder l'enfant. C'est juste que je vais pas spécialement plus manger que ce que j'ai déjà mangé. Ça serait pas bon pour mon corps et je ne bois pas d'alcool, donc... Les fêtes sont bien avec quand il y a beaucoup de savoir à partager, je trouve, mais juste faire fête comme ça, ce n'est pas vraiment de ma nature. Le mec chiant en soirée, quoi. Ah bah, j'ai un personnage. Ah, c'est pas Marticette. Et effectivement, elle va te dire, bah, écoutez, c'est vraiment très très gentil, je voulais prendre Elora avec moi, mais elle fait très mal ses nuits en ce moment. Je vous en prie, faites comme chez vous, installez-vous. Il faut que je passe un jet en social. Non, absolument pas. Un jet en endurance, je pense. Un jet de corps. Non, mais... non, il n'y aura pas de GD, Thierus. Thierus, en termes de jeu... Tu peux récupérer mon point de vie perdu. Tant de jeu. Le soleil ne s'est pas encore couché, donc pas pour le moment. Par contre, Thierus, tu vas monter ton érudition à 90. Bravo à toi, tu es le premier joueur à y être arrivé. Ouais. Par contre, tu es au max. Hormis action exceptionnelle et héroïque, tu es au max de ta compétence. Je continuerai quand même à collectionner tous les codex que je trouverai. T'inquiète pas, of course. Pendant ce temps-là, Adrienne, Azo et Sainte-Adèle, donc vous allez être conduits au banquet. Vous voyez que Cantor est en train de préparer, alors c'est effectivement un petit peu violent, notamment pour toi Adrienne qui a l'habitude du raffinement de Kniga et peut-être de ne pas voir forcément les animaux, la chaîne du des animaux vivants à l'assiette. Donc tu vois Cantor qui est en train d'égorger des volailles et de les préparer à la broche. Et vous êtes quand même invité donc au banquet. Il y a une estrade. Vous allez pouvoir donc vous installer, vous servir, de pouvoir vous faire des tartines de bon pain bi avec du crat canard, mettre des tranches
des filets de poulet droit autant que vous voulez. Et on va vous dire « Oyez, oyez, habitant d'Ira, oyez, oyez, braves aventuriers et voyageurs à New Bengam qui souhaitent participer au concours de l'âge d'or. » Mes compères derrière moi. Et très bien. Et donc, tes six guerriers blancs se présentent. Cantor regarde, il est vraiment très étonné. Il te dit, mais écoutez, après tout, ce sont les fêtes de Mon. Et pourquoi pas? C'est vrai qu'on a eu l'habitude de dire en pays Mon, mieux vaut vivre à genoux que mourir debout. Et avoir ces guerriers dans le village qui sont finalement très pacifiques. Pourquoi pas? Bien sûr, ils peuvent participer au concours. Est-ce que quelqu'un d'autre veut participer? Alors, vous avez donc Beddo et Kraldu qui se lèvent, qui tapent un peu sur leur torse et qui disent oui, nous allons aussi participer au concours. Vous ne voulez pas participer, Saint-Abdel? Moi, je participe pas parce que mes compères derrière, c'est eux qui participent à ma place. Enfin, normal. Je pense que déjà, le simple fait de regarder la bûche me donne des courbatures. Je peux pas vous mentir. C'est dommage, on aurait pu faire une équipe. Moi, clairement, j'ai retrouvé ma sœur. Non, je suis comme un gamin. Bah, vous savez quoi ? Allez-y, je veux bien faire équipe avec vous. Comptez pas trop sur moi, mais je veux bien faire équipe avec vous. Non, mais bon, je sais qu'on a aucune chance, mais bon. Enfin, je pense que là, on a perdu face à mes gaillards, mais bon, c'est l'important, c'est de participer. Ma sœur a l'air de trouver la vie ici très sympathique et j'ai essayé de mettre mes a priori de côté et participer un peu déjà. Au folklore local. Voilà. Déjà, ce qu'on mange est très bon. Alors pourquoi pas? Allons-y. Ouais, vous m'avez même donné si nous n'avons aucune chance, allons-y. Très bien. On va commencer par les deux guerriers. Ils vont faire leur jet de dextérité. Donc, en termes de jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer 2 dés en avantage et on prendra la meilleure stat de l'équipe. Donc, pour tes guerriers, Saint-Abdel, on va leur mettre des stats. Je pense qu'on va leur mettre des stats à 60 pour les 3 stats. Ok. Beldo et Kraldu vont essayer de soulever déjà le trou, tous les deux. Hop. Donc, ils ont respectivement dextérité 45 et 70. On va prendre donc la dextérité de 78. Ils réussissent et même brillamment à soulever le tronc. On va faire le G pour l'équipe des guerriers blancs. Donc, même chose, on va lancer 2 dés 100. Donc, j'ai dit 60. Oh, le E, il rate complètement. Et il rate. Malheureusement, ce sont des guerriers un petit peu bruts de décoffrage. Donc, ton équipe, Saint-Abdel, est éliminée. Adrian et Saint-Abdel, je vous en prie. Il y a quand même 6 Gugus. Hein. Donc, ça fait 3 équipes de 2. Oui, on refera des jeux. Ok, passe. Je veux cette hache. Bon, j'ai enlevé ma veste là. Mec, si on fait un petit 0-1 là, mec, c'est insane. Je te laisse le faire, vas-y. Au honneur à toi. Oh, ok. Ah. J'arrive même pas, ça décolle. Il faut relancer un G parce que si vous avez le droit à 2 dés. Oh, mec, une perfection. Oh, franchement, mec. Les mêmes mouvements. High five. On regarde le truc, on fait. C'est lourd, hein. C'est ça, les deux crevettes à côté d'un tronc d'arbre. C'est lourd, c'est vrai que c'est lourd.
Bon, je vais me rasseoir, aller boire un coup. Je m'assois dessus. Je me dis oui. Pas. Et je regarde avec Gugus. Mais de toute façon, vous êtes voilà, vous avez joué le jeu. On voit que vous vous amusez. Vous avez tous les gens d'Ira qui vous applaudissent, Kylian et Will qui sont ravis. Et puis on va bien sûr vous accueillir avec des grands verres de bière et vous dire bravo, bravo. L'important c'est de participer. Et donc pour l'instant, donc c'est Beldo et Kraldu qui ont l'avantage. Je vais lancer 4 dessins comme ça. Je fais un enflammé. Je veux. Comment on dit déjà? Je veux. Mince. Encourager. Faut que je trouve le mot. Encourager. Bonne réponse. Je veux encourager Mégus. Je veux faire. Vous êtes des gens du pays blanc. Vous allez vous faire avoir par des gens plus petits que vous. Ouh, la mauvaise ambiance. Je suis pas sûr que ce soit très bien vu par ici. Ouais, mais ils savent que c'est pour rire. C'est dans la bonne ambiance. Je crois que ces gens les tuent. Tu vas me faire, Saint-Abdel, un enflammé les cœurs, mais effectivement avec un malus de 10. Ça va pas faire un 22. 37, ça passe. Ça passe, oui, effectivement. Voilà, mais je pense que c'est juste tes guerriers qui vont entendre le reste des villageois, eux, sont en train de faire la fête et je pense qu'ils t'entendent même pas, quoi. Ils sont en train de boire et de manger. Donc, je vais faire le reste de ton équipe. Oh là, donc, ça passe. Non, ça passe. Donc, tu as une de tes équipes qui est encore en lice. Donc, on va refaire maintenant. Donc, Beldo et Kraldu vont s'élancer en flanc de colline, vont se mettre à courir. Donc eux, il faut qu'ils fassent moins de 50. Et ça passe. Ça passe. Tout pas juste. Loin, ça passe. Allez, c'est Cam. Allez, Silophane. Let's go. Je crois en eux. Allez, c'est guerrier. Let's go. Waouh, un critique. Ils écrasent les nains. Ça c'est. C'est Silariel, non? C'est pas c'est lui qui doit faire ça. Non, c'est Carthage et Silophane et Seikam. Les beaux gosses. J'aime bien, bah, je pense que oui, ça peut être Silariel et Seikam, à mon avis. Voilà, ça peut être tous les deux. On va faire le dernier jet. Donc, Beldo et Kraldu vont maintenant lancer le trou de 6 mètres. Ils réussissent les 3G, vraiment, c'est incroyable. Et ils doivent faire moins de 75. Oh. Oui, ah oui, ils font un critique en plus. Critique, donc critique, on va qui faire... Hop. Oui, mais allez, tes gagnants, ils ont un avantage parce qu'ils ont fait un critique. Allez, allez les boss, allez, faites-moi un petit alors, double 0-1. 4 des 100, il faut un critique aussi. Un alors critique. Attendez, il faut un meilleur critique. Alors, let's go. À ça quoi. Juste à ça. Let's go. En fait, vous allez voir le tronc qui va tomber un peu plus loin que le tronc qui est tombé en long. Le tronc que Beldo Kraldu a lancé, il est tombé à plat. Sekame et Silariel vont s'élancer, vont lancer le tronc. Le tronc va se planter debout juste devant le tronc de Beldo et Kraldu. Il va vaciller. Vous vous dites non, il va tomber. Et juste au dernier moment, il se stabilise. Et là, vous avez tout le village qui rentre en liesse. Bravo, bravo, bravo. C'est les guerriers blancs qui ont gagné l'âge d'or contre toute attente. Et tu as Saint-Abdel, Cantor, qui t'approche de toi et qui te fait bravo, étrange petit homme. Vous êtes vraiment incroyable. Vous avez vraiment mérité cet hache d'or. Bravo, Saint-Abdel. Tu peux noter dans ton inventaire une hache donc, qui est capable de couper n'importe quel arbre qui, d'une valeur de 30 pièces d'or. On va te remettre aussi, mais c'est Tyréus, on va t'apporter, c'est une délégation du village
chez Will et Kylian. On va t'apporter en cadeau, en remerciement, donc il y a Bengam aussi, c'est lui qui va te la donner, en remerciement d'avoir sauvé Bengam et le couteau sacré de Mon, une lampe sacrée de Mon. Tu peux te la noter dans ton inventaire, qui valeur 3 pièces d'or. Voilà. Et Sainte Adèle, justement, t'emporte, dit écoutez, Sainte Adèle, voilà, je suis embêtée. Je pense que nous avons été trahis. Je pense que. Alors, j'ai toute confiance en Bengam et au grand prêtre Kinji de Nanda. Mais je pense que quelqu'un a vendu la mèche et quelqu'un a prévenu les guerriers blancs que Bengam allait convoyer de Nanda à Ira le coffret sacré avec le couteau sacré. Et écoutez, bon, j'ai pas grand-chose à vous offrir. Voilà, j'ai ma dague ou ma hachette ou éventuellement mon armure de cuir. Et c'est une brigandine. J'ai aussi des fioles à vous offrir. Ou cette gibecière. Il te montre une gibecière qui contient une bouteille de vin, un kit de cuisine, beaucoup d'épices et d'aromas. Il dit, écoutez, choisissez parmi mes possessions. Mais je vois que vous êtes un homme aventureux et qui est capable de grandes choses. Je vous en prie. Essayez de trouver la personne qui nous a trahis. Et je ne vous demande pas de l'arrêter ou quoi que ce soit. Je vous demande juste de me dire qui c'est. Et ensuite, j'enverrai mes guerriers pour l'arrêter et pour le juger. Vous inquiétez pas, il sera jugé. Alors là, vraiment, j'ai eu une idée incroyable. Mais incroyable. T'es prête? T'es incroyable. Alors. Je vais dire déjà à mon très cher ami Kentor, je vais dire nul besoin de récompense, je fais tout ce que je fais, je le fais de manière désintéressée. Rien ne m'est plus dû et que le gens qui sont contents. Ça n'a aucun sens, mais bon. Elle est là, je me concentre et j'essaye d'avoir le pouvoir de Fatima qui me prend. Et j'essaie de communiquer avec le chef des hommes blancs. Alors, malheureusement, c'est vrai que je ne te l'avais pas précisé ça, donc t'inquiète pas, tu ne perds pas ton pouvoir. Le message, il faut que tu le fasses avec des personnes, effectivement, que tu connaisses. Tu as un lien avec ces personnes. Oh, c'est nul, je suis dégoûté. Oh, bon, tant pis, pas. Après, sinon, je peux demander aux hommes blancs. Bah ouais. Non, mais non, mais... Pourquoi ne demandez-vous pas à vos serviteurs? Parce que c'était plus drôle de le demander au Big Boss. Enfin, ouais, je crois. Vivine. Oui, vénérable. Je suis dégoûté, mais bon, je vais te poser une question super intéressante. Est-ce que comment vous étiez au courant qu'il y avait un petit bonhomme qui était en possession d'un truc important? Ah oui, c'est l'apprenti charpentier Vando. En fait, on l'a coincé sur un chemin, on l'a tabassé, il s'est mis à pleurer, et il nous a dit « Oh, ne me tuez pas, ne me tuez pas, j'ai des informations ». Puis voilà, il nous a parlé du couteau, et comme nous vénérons le vénérable Dieu invisible, on est d'accord que vous nous avez demandé de détruire le couteau. Ouais, tout à fait, sauf que les plans ils ont changé, j'ai essayé de voir vite fait avec il faut que je trouve un truc au pif, ils vont me croire, avec Amde Hansne, et il m'a dit c'était qu'il y avait encore mieux à faire que juste le couteau. C'est pour ça que je suis là. Ah, vous parlez de Utu, l'araignée. Exactement. Évidemment. Ah oui. Évidemment. Vous êtes vraiment... Oui, bien sûr, vénérable.
Donc voilà ce qui s'est passé. Ok, bah voilà, Cantor, vous avez votre réponse. Et Cantor te dit, mais, écoutez, merci, je vais envoyer, envoyer bah, mes meilleurs hommes. Alors, on va s'arrêter tout de suite. Votre credo de pays, c'est pas genre mieux vaut mourir, hein, mieux vaut être le bras, la jambe sur le sol que de mourir debout. Oui. Bah, okay. Il a fait quoi là de votre pote, enfin l'apprenti charpentier, il a fait quoi? Il a fait la même chose que vous, il s'est soumis pour pas mourir. Donc en soi, il mérite rien, juste que vous le laissez tranquille. Il y a rien, votre c'est pote Morgan. C'est moi, Saint-Abdel, un G de mentir convaincre. Avec un bonus de 10. Ça passe. Il te regarde et il te dit, mais oui, décidément, vous êtes vraiment très très sage, Saint-Abdel. Vous avez raison, ce pauvre homme n'a fait juste que sauver sa vie. Et peut-être nous aurions nous-mêmes fait la même chose que lui. Vous avez raison, nous allons lui pardonner et puis après tout... Regardez, nous faisons une fête extraordinaire, nous passons un très bon moment. Je vois que notre noble herboniste semble avoir retrouvé quelqu'un de sa famille. Après tout, faisons une grande fête, qu'en pensez-vous ? Moi, je dis, continuons dans la joie et la bonne humeur. Très bien. Et je pense que nous allons tout doucement nous avancer vers... le dernier acte de ce scénario. Je vous invite toutes et tous à faire vos dernières actions. On va peut-être commencer par Adrien, on va faire dans l'ordre du Discord. Oh ben moi, pour ma dernière action, je bois, je profite toute la soirée... Et après, je pense que je vais rester là plusieurs semaines avec ma sœur pour en profiter avant de repartir sur les routes. Et justement, oui, vas-y. Oui, juste pour toujours étudier plus de potions, plus de choses. Découvrir le pays d'Aria maintenant que je suis là. Ce serait dommage de pas parcourir le monde en dehors de Kniga. Et elle te dit, écoute, mon frère, tu restes à la maison autant de temps que tu veux. Et puis, de toute façon, maintenant, tu sais où je me cache. Sois tout de même très prudent vis-à-vis de la guilde des assassins. Je t'invite, je pense que tu devrais suivre ce mage, Tyreus. Il va retourner à l'académie d'Aria. Il va reprendre contact avec Barkovic. Et je ne sais pas si tu te rappelles des rumeurs sur Barkovic. Il était peu estimé à l'académie. Et cependant, je t'avoue que je fais du commerce de potions avec lui. C'est ce qui me permet d'avoir une jolie maison et de pouvoir gratuitement soigner tous les gens d'Ira. Qui n'ont, tu l'imagines bien, peu de moyens. Ouais. Et à la limite, si tu es d'accord, que tu te charges pour moi des livraisons, des potions de soins que je réalise avec Barkovic, et profites-en pour toi, effectivement, découvrir de nouvelles potions. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et... vous allez, encore une fois, vous tomber dans les bras. Je pense qu'en termes cinématographiques, vous verrez, toi, Kylian, bras dessus, bras dessous, avec Will et Laura, devant la petite chaumière. C'est ça, j'aurai la petite dans les bras. C'est ça. Une très belle peinture. Damaso, que souhaites-tu faire? Eh ben, moi, du coup, j'ai une sorte de révélation après mes échanges avec la sœur d'Adriane. Et je la vois un peu comme un mentor de substitution parce que, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu bien. Elle m'inspire énormément.
je la trouve très inspirante dans le sens où pour arriver ses rêves, elle a volé, mais c'était pas vraiment pour faire le mal, c'est parce qu'elle avait soif de connaissances. Enfin, je l'interprète comme ça. Et du coup, vu que je n'ai pas vraiment d'endroit où aller, je suis recherchée et que ça me fait très très peur, je ne reste jamais au même endroit. Mais ici, j'ai l'impression, au vu de notre voyage, qu'il n'y a pas grand monde et que je pourrais limite refaire ma vie. Et je demande à Kylian si elle m'encourage à rester ou si elle me pousse à partir. Et Kylian va te répondre, écoutez, Azo, je suis une modeste alchimiste, mais si vous me faites l'honneur de rester, je serais vraiment ravie de devenir votre professeur en alchimie et de faire de vous une des rares alchimistes d'Aria, voire peut-être la première alchimiste d'Aria. Et je la regarde avec des étoiles dans les yeux et je lui dis « Oh oui, assouvissez ma soif de connaissance et je ferai tout pour vous rendre fière !» Et je pense qu'on va finir donc ta scène. Tu es en plein milieu du laboratoire de Kylian. Tu es entouré de plantes diverses et variées, de flacons, d'instruments que tu es en train de découvrir avec fascination. Et je pense qu'une de tes premières potions va être de pouvoir faire quelque chose avec un tubercule de navet. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo. Donc bravo à... Ouais, je ferai le bravo à la fin. Saint-Abdel, que fais-tu ? Alors, je vais leur rendre un service, ça va être incroyable. Alors moi j'avais pas trop de quêtes comparé à Tyrus, la voleuse Choupinoupinette et l'alchimiste qui a trouvé sa sœur. Moi je suis juste là parce que là, c'est parce qu'il y avait Tyrus en fait, c'est mon téléphone. Ah c'est tout hein. On m'a dit tu veux join, j'ai fait bah why not hein, je vais pouvoir escorter ma fiançaille, il y a pas de souci pour ça. Et en plus je reviens avec une hache que je vais directement léguer à mon petit daron. Enfin, un beau-père, comme ça il peut détruire tout pour faire des clairières de porc. Incroyable, best idée. Mais ce que je fais, en premier lieu, c'est je regarde Cantor, et je lui dis hey, vous savez, moi j'ai adoré les gens. Mais là je vais faire un truc, ça va être incroyable. Vous voyez les Sigugus je vous les donne exactement. Il y a Carthagé, Xi, il y a Seikam, il y a El Marcus, il y a Silophane, il y a Vivine et il y a Silariel. Retenez bien ces prénoms, parce que maintenant c'est vos gardes du corps. Moi j'en ai pas besoin, parce que je vais pas que retremballer ici, Gugus, il faut que je les nourrisse, c'est compliqué. Même s'ils peuvent se nourrir eux-mêmes en mangeant des limite le bois par terre, tellement ils peuvent faire ce que je leur demande. Ils vont rester ici, et si jamais ils vous attaquent en hiver, comme ils font d'habitude, là je vais donner un message à lequel d'entre vous. Silophane, allez, je vais donner un message à Silophane, je vais dire, lorsque votre patron, votre chef viendra, vous mettrez devant, avant que ça arrive, et vous allez lui donner ce message de ma part, votre dieu invisible, que le dieu araignée et moi-même, on a prévu une attaque de grande envergure. Il faut donc ne pas commencer à faire des... Il faut pas attaquer le monde, mais il faut attaquer... essayer de faire un truc, de pacifier. C'est conquérir pour mieux régner, mais dans la manière pacifique. Je leur dis ça, et je dis à Kantar, si ça marche pas, cachez-vous. Mais ça doit censé fonctionner, parce que je pense qu'il va écouter son garde, son gars, il va lui dire, je pense qu'il va réussir à être convaincant. Voilà. Mais je pense que ce qui va se passer, Saint-Abdel, c'est que tu viens de faire... explique peut-être pourquoi étonnamment quand les guerriers blancs viennent en Paimon, pourquoi finalement ils se servent juste en nourriture du moment que les mônes ne se rebellent pas,
Et finalement, les mônes vont se soumettre, mais il n'y aura pas finalement tant d'effusion de sang que ça. Certes, ils sont sous le joug jusqu'à l'arrivée d'une certaine compagnie créance, mais d'ici là, peut-être as-tu limité tes dégâts. Et je pense que, Saint-Abdel, on va te voir partir très, très fier de toi, monter sur l'Aloé, suivi de Vladimir Saucisse, avec derrière toi les six guerriers qui vont te faire des grands signes d'allégresse. L'ensemble des villageois d'Ira, même chose, qui vont te faire des grands signes. Et j'imagine que la dernière chose que tu vas faire juste avant de partir, c'est bien sûr de chausser tes lunettes de soleil. Il manque un truc que j'ai pas prié. Ah non, c'est pas encore. Non, c'est à Ananda. Ça, c'est à Ananda. Mais bah, j'arrête. Mais je dis, évidemment, parce que je ne quitte pas un endroit sans un proverbe, hein. Enfin, pas épuisé. Je leur dis à tous ceux, enfin, je leur dis avec une voix assez portante parce que je suis quand même le boss de la game, je leur dis, le goudron amer de la dignité vaut mieux que le miel de la tranquillité. Et ça, totalement méta avec des gens qui n'ont aucune dignité. Saint-Abdel, on fera ton jet de prier au prochain scénario. Comme ça, il faudra que tu y penses. Je t'inquiète pas. Très très joli punchline de fin. Et The Last, Not The List, Sirius. Ben moi, déjà, avant de partir, je vais lire l'entièreté du codex, même si c'était assez obvious que mon personnage allait faire. Aussi, comme cadeau pour leur remercier leur amitié, je vais écrire dans un livre qu'ils ont disponible sûrement. Non, ils n'ont pas de livre. Ouais, bah, je trouverai une feuille ou deux, c'est pas si jamais il faut. Tu peux leur léguer ton. Non, je ne leur léguerai pas mon livre, d'ailleurs, j'arracherai une ou deux feuilles. Mais bon. Je fais dans la humilité possible, j'irai pas jusqu'à sacrifier. Ça, je n'ai pas aussi gentil. Je vais écrire des contes d'Akaba que j'aurais lus quand j'étais au repère des djinns, je sais plus, vas-y des djinns, pour la petite, pour qu'elle puisse mieux s'endormir plus facilement. Oh, le boss des super contes. Oh, c'est trop choupi. Tu vas me faire Kyrus, le dernier jet de la soirée, je pense. Tu vas me lancer un des 10 et que tu vas rajouter en. On va te débloquer une compétence. Je veux bien 2 dans n'importe quelle compétence, du coup. Et donc, tu vas passer à 32, apaiser, enflammer les cœurs. C'est quoi? Je n'ai pas cette compétence. Alors, charisme, tu débloques en dessous de charisme, apaiser, enflammer les cœurs. Et grâce à ce mouvement, tu as donc 32 à cette compétence. Et donc, notre scénario se finira donc sur Kyrus en train d'écrire et d'illustrer des contes d'Akaba, certainement le conte de la princesse et de la grenade. Et je pense que la dernière image sera finalement Adriane et Kylian en train d'endormir la petite Elora au son de ses contes merveilleux. Bravo, Adriane, tu as retrouvé ta sœur et découvert le mystère de sa disparition. Adriane, tu gagnes un point de vie maximum définitif pour avoir résolu cette quête. Bravo Azo Shaolin, tu as découvert la plante de l'esprit, où elle se situe. Un jour peut-être tu arriveras à trouver l'oasis de Jin ou la cité d'Irem. Tu t'es découvert aussi une nouvelle vocation, celle d'alchimiste. Tu t'es découvert aussi un penchant vers l'altruisme, un champ que tu ne te connaissais pas. Et enfin, un mentor
via la personne de Kylian. Et pourquoi pas, peut-être une nouvelle famille. Bravo, Azo. Tu n'es plus une simple botaniste voleuse. Tu es maintenant une alchimiste botaniste. Let's go, le meilleur level up. Ouais, grave. Passer d'un être détestable à une personne gentille. Incroyable. Elle veut un peu la soif de connaissance que ça apporte dans la vie. Allez à l'école. Youhou. Bravo Tyrus, tu es certainement l'homme le plus érudit des royaumes d'Aria. T'inquiète. Un panneau par contre. Hein. Tu es aussi certainement l'un des hommes les plus maladroits, mais tu t'es découvert avec Adriane finalement un ami aussi érudit. Presque aussi érudit et peut-être même plus maladroit que toi. Donc comme quoi, les choses dans la vie. Et enfin, bravo Saint-Abel, grâce à ta sagesse, tu as évité à un homme d'être poursuivi et jugé pour finalement effectivement un crime. Mais, je pense qu'il faut encore plus applaudir le fait qu'il a réussi à faire deux prières sans rater une seule. Vraiment, mec, je suis le plus heureux. Bravo à vous, vous avez fini de façon incroyable ce scénario. Un grand merci à tous pour votre participation.